Et oui, il y a plein d'endroits comme ça où les gens, quelquefois, ont des bonnes raisons d'être parano. C'est pas comme nous. Il y a plein d'endroits, en fait. Trop. Est-ce que le Poséidon passe maintenant? C'est possible en effet. Dernière nouvelle du monde. Si les Soviétiques débarquaient au Koweït, et les Américains envahissaient Kaboul. Le pape qui fomente une révolte à la Mecque. Et les ayatollahs soutiennent l'Opus Dei. Panique internationale. Panique internationale. Et internationale. Yeah, et internationale. Yeah, international, samba, international, tu t'en fous. Scheherazade a le sommeil troublé par l'éclat strident des missiles qui pleurent. À domicile, télescopage télévisuel, le déluge de feu est perçu comme un jeu vidéo. Débarquer au Koweït et les Américains envahissaient Kaboul. Le pape qui fomente une révolte à la Mecque et les ayatollahs soutiennent l'Opus Dei. Panique internationale, panique internationale, internationale, yeah.
Panique en Bosnie, Herzégovine aussi, panique au Karabakh entre Arméniens et Azéries, panique au Kurdistan, conflit interethnique, depuis que Christophe Colomb a mis les pieds en Amérique, des peuples déplacés, des tribus décimées, sur la place Tiananmen, ils ont tué la liberté, le Tibet écrasé, les Chinois l'ont occupé, de la conscience humaine, ils sont les gardiens menacés. J'ai vu des intégristes, grises mines, ça sonne triste, ça souffle de vouloir imposer vos sinistres idémités. Malgré la fin de l'apartheid et du mur de Berlin, y'a des fascistes plein les rues, les gens crèvent de faim. Alors pourquoi cette panique-là? Dis-moi, dis-moi pourquoi cette panique-là, la, 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 la. Panique internationale, panique internationale, panique internationale, panique internationale. Eh oui, mesdames et messieurs, l'amicale d'homme naturel. Yes, Lord Esteban. Excellent, excellent. Bon, je vois qu'il y a aussi Laurent de Daïti.